restée une ville de peu d'importance jusqu'au XVIe siècle. Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, Richelieu, Vauban et Colbert ont tout fait pour que Toulon devienne le plus grand port militaire d'Europe. Il le fut.
recommandons également la visite de la ville. Édifié en 1862 d'après les plans de Charles Garnier, qui en fit son prototype pour l'Opéra de Paris. C'est le plus grand opéra de France après celui de Paris. Il a été décoré par des artistes toulonnais. Les statues de la tragédie et de la comédie en façade sont l'œuvre de Charles Domas. L'intérieur, rouge et or, richement décoré de peintures, tuques et bronzes, et du plus pur style Napoléon III. Permettre aux Toulonnais comme à leurs hôtes de l'admirer en goûtant durant les chaudes journées d'été à la fraîcheur de son imposant jardin suspendu.